I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. There's only a few of us left now. There's something stalking us. And now it's hunting me. Et salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, épisode 18 de notre aventure sur Alien Isolation. Et c'est la merde. C'est la merde parce que, bah, apparemment, on a énervé l'alien. Ce petit saligo n'a pas trop apprécié qu'on a éteint la lumière, a priori. Donc, faut qu'on se barre. Qu'on se barre d'ici, hein, clairement. Évacuer le centre du serveur, pas de soucis, pas de soucis. Avant ça, je vais aller voir. Ok. Bon, apparemment, il aime pas quand on rallume la lumière non plus. Calme-toi. Très bien. Du coup, je sais pas du tout ce que j'ai fait, en fait. J'ai pas vraiment compris. Mis à part éteindre et rallumer la lumière. Du coup, ouais, bah, je voulais aller voir dans cette pièce-là, en fait, savoir si, si ça avait éteint le gaz. Apparemment, c'est pas le cas. Donc. Ah, ok, du coup, je peux m'enfuir par là. Parfait. Je vais juste regarder vite fait dans l'ordi. Je vais voir si je peux. Non. Je ne peux pas. Ok, on va attendre 30 secondes. Non, c'est bon. La musique me fait comprendre qu'il faut que j'attende. Alors, attends, déjà, première chose. Par où c'est qu'il faudrait que je passe ? Soit je retourne en arrière et je passe par là, tac tac tac. D'ailleurs, il faut que j'aille où ? Ah, ok, non, faut que j'aille là. Évacuer le centre serveur, très bien. Ouais, ben si, en fait, le mieux, ce serait que je revienne en arrière, que je passe par le conduit, que j'aille sauvegarder. Quoique je peux passer par la droite aussi, je pense que c'est pas spécialement plus long. Pendant que l'autre se promène tranquillou, alors on va passer par là. Bon, là c'est toujours verrouillé, je sais pas comment on y va, c'est pas grave. Je pense pas que je dois pas louper énormément de choses à mon avis. Ok, voilà, allez, ici on va sauvegarder, puis du coup on va ouvrir cette porte. Tac tac tac, hop là, ennemi proche. Oui, mais c'est pas grave ça. Voilà. Donc, ouvrons cette porte et barrons-nous d'ici. On va enfin finir avec cette mission qui m'aura pris 3 épisodes encore. Ça me rappelle une certaine mission dans le centre médical, n'est-ce pas ? Voilà. Ceci est parfait. Là-bas, on a une porte qui s'est ouverte. Ah. C'est pas par là qu'il faut que j'aille en plus. Donc on va aller par là. La loi du jeu vidéo, tout ça, d'accord, c'est de la merde. J'avais oublié que ça nous ramenait là. Donc là, qu'on soit bien d'accord, il faut bien que je retourne en arrière. Tac tac tac. Et que je revienne par là. Accès à la maintenance, machin. Apparemment il y a un truc que j'ai loupé là à la maintenance. Je vais aller voir ça. Mécano. Comment t'as réussi à l'ouvrir ? 2 secondes, excusez-moi. Oui, non, j'ai rien loupé, en fait. C'était juste l'objectif, ça. Wait. Section Security. Je comprends pas le plan, là. Faut que je redescende ou pas ? Non, j'ai pas besoin de redescendre. Non, il faut pas que je redescende, justement. Faut que je repasse par là. Ah oui, non, mais d'accord, c'est le raccourci, en fait, ça. Ok. J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais ? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. S'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Ripley, Ricardo, quoi
quoi qu'il arrive cette fois, on peut pas le laisser s'échapper. Pas de soucis. Prendre l'ascenseur vers Gemini. Exoplanet Solution. Du coup, c'est toujours au même endroit, c'est toujours au même endroit, parfait. Barrons-nous. Salut. J'ai pas envie de savoir s'ils sont alliés ou ennemis, je me casse moi. C'est bon, ouais, c'est bon. J'ai eu assez d'emmerdes pour le moment. Barrons-nous d'ici. Alors, tiens, un truc que je voulais préciser, vous voyez, torche à plasma requise. On est bien d'accord que la torche à plasma, je l'ai ramassée il y a déjà quelques épisodes. Comment ça se fait que je l'ai plus? C'est un truc unique? C'est un truc enfin, c'est un objet unique ou comment ça se passe? Je comprends pas tout, moi. Il y a des trucs comme ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est vraiment étrange. Parce que clairement, la torche à plasma, je l'ai, normalement. Je l'ai ramassée, ouais, il y a au moins 3 ou 4 épisodes, là. Donc, ouais, je sais pas. Ok, je me suis gouré dans, d'endroit. Faut que je revienne en arrière. Prendre l'ascenseur vers Gemini Exoplanet Solution. Ouais, mais y a pas d'ascenseur ici. Ah merde, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah merde, c'est de l'autre côté. Non? Vers Sixen Communication, prendre l'ascenseur vers Gemini. Je comprends pas, j'ai loupé quelque chose. Ah non, mais d'accord, c'est de l'autre côté, c'est ça. Parce que là, c'est... J'aime bien, le truc m'indique le... l'aération en fait, le conduit d'aération. Y'a pas d'ascenseur ici, enfin. Là, il y a le conduit d'aération, ok. C'est peut-être par le conduit d'aération qu'il faut passer. Ça m'étonnerait, ça fait juste une boucle, ça. Ça ne permet pas d'aller ailleurs, hein. On est bien d'accord. What? Qu'est-ce qui s'est passé sur le radar là? C'est cet ascenseur en face, il faut que je prenne. Je comprends plus rien moi, c'est quoi ce délire là? Prendre l'ascenseur vers Gemini. La créature est un, mais oui, je pense qu'il peut toujours la piloter en tirant vers le labo de Gemini. Prendre l'ascenseur vers Gemini. Parce qu'il y a un ascenseur là qui est en face de moi, mais ça m'amène à Sixen Communication, c'est pas là-bas que je veux aller moi. Oui, non, mais arrêtez de m'envoyer des messages les gens, vous êtes bien gentils, mais c'est pas le moment. C'est au-dessus peut-être? Qu'est-ce que j'ai loupé, mon dieu de merde? Non, mais au-dessus il n'y a pas d'ascenseur non plus. C'est fermé. Si je vais par là. D'accord qu'il n'y a pas d'ascenseur ici. Je vais retourner tout en bas, mais je crois pas là. Merde. C'est là peut-être, non? Putain, je suis paumé. C'est quoi cette connerie? Allez, regarde, moi ça me dit de remonter, clairement. Ah! Non, c'est pas ça non plus. Ça, c'est un cul-de-sac.
Enfin, c'est pas un cul-de-sac, mais ça me ramène au même endroit, en fait. Je comprends pas, là. Je comprends pas. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la porte d'en haut. Probablement. Ouais, sauf qu'il y a personne. Oui, mais tout ceci est parfait, tout ceci est délicieux. Voilà. Ok, bon, c'est des ennemis. Ouais. Voilà, bouffe tout le monde, hein. Pas grave, ça fait pas chier, mais non, c'était des ennemis. Donc, je devrais peut-être rester caché en fin de compte, non? Le temps qu'ils finissent de bouffer tout le monde, vous croyez pas? C'est bon? Les calmer? On va dire qu'il s'est barré, hein. Ça me dit toujours pas où est cet ascenseur, en fait. Moi, je suis... Non, mais sincèrement, là, je... J'ai vraiment loupé quelque chose, là, je comprends pas. Oups. Il m'a pas vu! Bonsoir. Il est là. Allez, ferme-moi cet ascenseur de mort. Ok, bon. Très bien. J'avais pas vu qu'il y avait un ascenseur ici, moi, t'es marrant. Bon. Ça c'est fait, on avance, chers amis, on avance. Doucement, mais sûrement. Hein. Je ne répéterai jamais assez. Piou! Bon! Cet alien est de pire en pire, quoi. Au moins, j'ai le moyen de me défendre maintenant. C'est quand même un peu mieux qu'il y a quelques heures de jeu. C'est quand même un peu mieux. Ce lance-là mais vraiment, vraiment efficace, en fait. Bah déjà, il m'évite de me faire one-shot, pour le coup. Si j'arrive à le tirer dessus, enfin, lui... Elle cramait un petit peu avant qu'il me touche. Il faut qu'on remette le courant dans ton bâtiment. Vous allez devoir utiliser le mont de charge. Mais je n'ai pas vu marcher depuis que Sixon a arrêté de financer les recherches de Gemini. Bien. Rechargeons, rechargeons. Rétablir l'accès à la distribution. Ok. Pas sérieux, tu vas pas me faire croire que l'autre il est déjà en train de me suivre, quoi. Ça c'est un truc, ça me rend fou, tu vois, c'est hyper scripté, l'alien. L'alien est hyper scripté dans le jeu et c'est pff, je trouve ça presque dommage, quoi. Il est juste à côté de moi. Bonjour. Tu me répondras quand on aura envie. Je dirais que tu viens de passer à la casserole. Et t'es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Raconte-moi ta vie.
Dis-moi tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu restes là à rien faire, tu vas crever d'ici dans très peu de temps, toi. C'est moi ou... Ça me rappelle quelque chose ici. Les décors me rappellent un peu la... Oh non, ok, ça va. Trouvez le terminal de contrôle qu'ils ont laissé pour le gardien des synthétiques. Il est dans une remise devant. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Merci, tu dis ça à une nana qui vient de passer plusieurs heures à se faire poursuivre par l'alien et tout en réussissant à l'éviter. Donc, elle devrait le faire. Enfin, en réussissant à l'éviter. Faut le dire vite fait quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Sixon a essayé pendant des années de vendre toute la panoplie en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais mordu à l'hameçon, donc la sécurité est toujours en ligne. Ok, assez bavardé maintenant. Ça, ça veut dire ok, ferme ta gueule maintenant, je m'en fous de la vie de Sébastopol en réalité. Tout ce que je veux, c'est me barrer d'ici. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a là? J'essaie de regarder s'il n'y a pas des trucs à ramasser, genre du combustible, ce genre de choses. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas en fait à chaque fois, c'est pour ça que je me retourne brusquement, mais a priori ça va. Les décors sont vraiment vraiment cool, en tout cas dans le jeu, moi je suis ravi, je trouve ça vraiment travaillé, c'est vraiment superbe. La bande son aussi extrêmement travaillée. Ça, je pense l'avoir dit assez souvent. Ah putain, une caméra. La caméra, faudrait que je la désactive en fait. Munition de revolver. Machin, ok. Torche à plasma. Ah bah putain. Mais je comprends pas, bordel. C'est unique ce truc ou quoi là? D'accord que je l'ai pas là-dedans. Non, je l'ai pas là-dedans. Moi j'ai l'impression que c'est unique ce genre d'objet en fait. Enfin unique. C'est-à-dire que t'en as qu'une seule utilisation. Du coup c'est un peu casse-burne quoi. Système instable, je sais pas. J'ai l'impression par contre c'est pareil, j'ai l'impression que la traduction est un peu foireuse à certains endroits. Tu sais, comme le fait de devoir rétablir le courant alors qu'en fait ça marche seulement quand le courant est inactif. Tu vois, c'est un peu chelou quoi. Ok, donc là on a un synthétique qui fait je ne sais quoi. J'entends plein de bruit en fait, c'est vraiment stressant. Donc là je peux utiliser la torche à plasma, mais voilà, du coup je sais pas si c'est un truc unique, ça se trouve ça va me baiser pour la porte d'à côté là. Eh oui. Ah bordel. Alors. L'objectif est à droite là. Ça, on est bien d'accord. Ça me perturbe cette affaire. Écoute, je vais essayer. J'ai l'impression qu'il est pas loin de moi l'alien là. Non. Bonjour. Je ne me rappelle pas vous avoir rencontré avant. C'est normal, on vient de se rencontrer mon grand. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Non mais. Cette bande son qui s'excite pour rien. Oh, je peux prendre une échelle. Parfait. Je vais revoir ça après, bien entendu. On va déjà fouiller un petit peu, voilà, genre ça. Petit détecteur qui ne me servira à rien parce que je suis déjà full. Chut. C'était quoi ça? C'est toi qui fous ce boucan là? Ok, qu'est-ce que je peux créer? Histoire de vider un peu mon inventaire. Rien. Grenade aveuglante, bombe fusion, émetteur de son, bombe tuyau, medikit. Ouais, je pourrais recréer encore un medikit à la rigueur, c'est pas ce que ça demande en ressources. J'ai largement crois de quoi en faire encore un même. Voilà, voilà. Cocktail Molotov. Qu'est-ce qu'il me manque? De l'éthanol. Okay. Il manque l'alcool en fait. Oula, me sors pas ça devant lui, toi, t'es ouf. Votre présence a été enregistrée.
C'est bien, je suis content de t'avoir rencontré aussi. Est-ce que je peux fouiller dans ton ordi par contre? Ça ne te dérange pas. Alors, surplus de requêtes, budget d'énergie, le département de... Cette zone est interdite aux visiteurs. Nous ne faisons pas partie d'un groupe d'acheteurs de Sébastopol. Mais t'es sérieux, mec? Il est sérieux, le garçon, là. Hein? Crâne, fumier! Ah non, mais c'est vrai, j'oubliais. Ah merde! Bon. Voilà, note à soi-même, les synthétiques, en fin de compte, ils craignent pas le feu tant que ça. Voilà, c'est pas la meilleure arme à utiliser contre eux. Bien, bien, bien. C'est pas grave. Où est-ce qu'on est du coup? Ok, on est au tout début de la zone. Pas de soucis. Eh ben, c'est pas grave, on va refaire ça vite fait. Parce qu'on n'avait pas avancé non plus des masses. Ok, donc je peux ouvrir cette porte. Je vais essayer d'ouvrir celle-là du coup. Je reçois encore des messages. Et mec, oh. C'est bon, détendez-vous. Ah mais j'avais pas vu les petits pointillés, ce mignon. Ça te dit par où qu'il faut couper pour que tu puisses l'ouvrir tranquillement. Tac. Ok. Clairement venir d'ici en fait. On voit rien là-dedans. C'est ouf. Ah mais les deux portes même mènent au même endroit en fait, j'ai l'impression. Oui, là-bas ça doit mener au même truc. Alors BIOS enregistre une erreur machin, OK. Financement Sixon. Sixon est dans le regret de vous annoncer que Gemini Exoplanet Solution ne recevra plus de financement. Sixon n'est pas responsable des contrats personnels de Gemini pour la durée restante. Veuillez vous entretenir avec votre supérieur au sujet de la fermeture des établissements et quelles seront les conséquences pour vous. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier personnellement pour le temps que vous nous avez consacré. Ok, budget d'énergie. Suite aux discussions avec le responsable, nombre d'entre vous ont des questions au sujet de la restauration de l'électricité. Si jamais la distribution d'électricité est nécessaire, dans l'éventualité d'une urgence par exemple, vous pouvez accéder au système de maintenance en utilisant le code 8897. Ceci doit toujours passer par la validation de votre responsable et ne doit pas être entrepris sans autorisation. Cordialement, The Hunter. Ok. Audio. Erreur et utilitaire. Demande de service. Veuillez sélectionner une demande de service. Toi, je m'interroge dangereux. Demande de vérification de maintenance dans le secteur C12 reçue et confirmée. Un gardien de service a été envoyé sur place. Ah, bah parfait. Ouais, du coup, en fait, ça le fait. Voilà, ça le fait débarquer ici. Comme ça, moi, je peux aller là-bas tranquillement. Et fouiller un peu dans son ordi. Alors. On disait, donc département, toute question doit être adressée à votre responsable, ok, partager, audio, utilitaire, système de distribution, restaurer système de distribution. Connexion de la zone réhabilitée. Parfait. Courant restauré aux disjoncteurs locaux. Dites-moi où sont les disjoncteurs, Wade. Il y en a un dans le laboratoire d'analyse, l'autre est dans la salle de décontamination. Juste là-bas. Du coup, activer les disjoncteurs du laboratoire d'analyse, ok, et activer les disjoncteurs de la salle de contamination. Donc, laboratoire d'analyse juste derrière moi, ok, et de contamination, je suis passé devant a priori. Oui. D'ailleurs, accès à la distribution. J'ai un problème. En fait,
Le souci, c'est que depuis tout à l'heure, je fais un truc, je sais même pas pourquoi, ni à quoi. Enfin, je sais pas à quoi ça me sert en fait. Rétablir l'accès à la distribution à l'intérieur de Gemini Expo 1, une fois à l'intérieur, localiser le monte charge et le prendre jusqu'au projet KGI-348, d'accord. D'accord, ah oui, c'est vrai, parce qu'on veut piéger l'alien, une fois de plus. Enfin, en tout cas, essayer de le faire avant qu'il s'échappe. Et du coup, il faut que je prenne un monte charge et le monte charge, il faut que je l'active. C'est le bordel, c'est long, c'est chiant, c'est toujours la même chose. Non, en vrai, je crache un peu là. Je crache un peu sur l'ambulance, mais. Non, vraiment, ce jeu est excellent, ça y a pas de doute là-dessus. C'est juste que, effectivement, les petites missions FedEx, je commence gentiment à en avoir ras-le-bol. En fait. Ouais, pour parler franchement. Merde! Merde! Ah, la panique! La panique! Non, la panique! J'ai paniqué, j'ai pas vu, j'avais pas le lance-flamme d'équipé, quoi. Pff, oh là là, je te jure. Il faut tout que je recommence! Un gain de merde en train de me pourchasser alors que j'ai rien demandé. Pis-toi, non mais t'es tous en train de m'emmerder, mais c'est pas possible! Bon, bref. J'ai tout réactivé, j'ai tout refait, j'ai tout machiné, j'ai tout bidulé, j'ai tout truc muché, j'ai tout ce que tu veux. L'échelle qui est au fond là-bas, j'y suis monté, je suis allé voir, il y a absolument rien à part une porte fermée en fait, c'est un cul-de-sac. C'est ni plus ni moins qu'un cul-de-sac. Bon, l'alien est toujours présent, l'alien est toujours en train de m'emmerder. Je vais bien finir ce que j'ai à faire. Du coup, faut que j'aille ici, au laboratoire d'analyse et à la salle de contamination. Donc, en fait, ça a ouvert le fait d'activer tout le bousin. Là, ça a ouvert la porte de l'autre côté. Là où se trouve l'alien, n'est-ce pas? Ok. Là, on a un conduit d'aération. Je sais pas trop où il nous mène en fait. Je crois que ça nous mène de l'autre côté, mais c'est pas là où on veut aller. Attends, est-ce qu'il peut ne serait-ce que venir par ici? J'ai pas l'impression qu'il y ait de. Il a pas d'accès par là. Ok. Du coup, ça a l'air de se calmer un peu. Rien de moins sûr, j'entends un point de sauvegarde. Là-bas. On va aller sauvegarder avant de devoir encore et toujours recommencer. Putain, Taras. Coucou! Voilà. Sauvegarde. Tac! Parfait. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je sais pas si c'est la meilleure des idées à faire. À avoir ce genre de conneries. Le fait de toujours grimper. Voilà, alors que l'autre peut clairement venir. Tu me diras, j'aurais pu me cacher. C'est ce que je vais faire. Ok, ça m'a l'air d'être immense encore cette affaire là.
Disjoncteur du laboratoire d'analyse, je sais même pas si j'étais au bon endroit. Dans tous les cas, il va falloir redescendre, je pense. Il y a une porte là en face de moi, elle m'a l'air d'être fermée. Clairement. Bon, de toute façon, elle est pas dans la pièce. Elle est de l'autre côté. Ok, le v'là. Est-ce qu'il va venir ici? J'en sais rien. Il ne fait plus de bruit. Et merde. Non, c'est bon. Il est où? J'en ai marre, il me rend fou. J'en peux plus de cet alien. Non mais sans déconner, casse-toi quoi. De toute façon faut que je redescende. Donc on va redescendre. Gamelot. Plus savoir quoi en foutre. Ok, bon, de toute manière, il y a eu le point de sauvegarde. Du coup, activé. Disjoncteur de laboratoire d'analyse, je suis en plein dessus a priori. Qu'est-ce que quoi? Oh putain, c'est pas possible. J'ai pas encore des. Tiens, émetteur de son. Ouais non. Oublie. Alors. Alors, je suis fou. Mais casse-toi. Pas vrai ça. Cette tension, la tension. Allez, dégage, putain, mais c'est pas vrai. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste faire mon objectif. Et puis bon, bah après, tu feras ce que tu veux avec mon cadavre si tu veux. Mais je vais juste faire ce putain d'objectif, moi. En plus, je comprends même pas. Ça me l'indique ici, mais. Ça m'indique l'échelle, là, clairement. Hein. On est bien d'accord. Activer disjoncteur, laboratoire d'analyse. Très bien, ça m'indique l'échelle. Le problème, c'est que quand je monte. Qu'est-ce que c'est que ce logo? C'est quoi la légende? Triangle. Objet, outil, arme. Hein. Ouais. Comment ça se fait que je l'ai pas vu, moi? Je suis passé devant en plus, a priori. Bon, on repassera plus tard. Ça doit être un badge à la con. Ok, bon, a priori, il faut quand même que je prenne l'échelle. Hein. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. On va le laisser se barrer. C'est absolument pas safe en fait. Le problème est là. Tiens, j'ai envie de tester un truc. J'avais dit que je le testerais en fait. Ah merde, je peux pas le balancer. Faut peut-être déjà que je l'active. Écoute. Mais merde, il est déjà barré. Bon, je voulais juste voir si ça l'attirait en fait. Apparemment, il en a absolument rien à carrer.
écoute, je vais quand même faire le tour de la zone. Voir s'il y a quelque chose. De toute façon, comme j'ai dit, ouais, après tout, de toute façon, déjà et d'une, on arrive à la fin de l'épisode. Et de deux, j'ai du lance-flamme, j'ai de quoi le faire fuir, donc... Osef, tiens, c'est pas ça. Initialisation du flux d'énergie. Ouais, très bien. Ça m'aide vachement. C'est bien, perspicace comme mec. Ici on a un cadavre. Ah, pas si mort que ça a priori. Oh mais putain. Crève une bonne fois pour toutes s'il te plaît. Ici on a un ordi. Ramorcé disjoncteur. Bien sûr, bien sûr. Okay. Bon, ça me permet de faire un peu le tour comme ça, safe. Enfin, pas non, pas safe du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, je pourrais voir à peu près où est-ce qu'il faut que j'aille. A priori, clairement, c'est au-dessus. On va continuer à avancer un peu. Encore 5 petites minutes, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc ici, on disait, il y a une porte, elle est fermée, voilà. Ok. Ah merde, je l'avais pas vu la caméra donc. Mot de passe requis. Je l'ai pas le mot de passe. J'ai ramassé les mots de passe à droite à gauche. Il me fait tellement plus aucun effet l'alien. Le pauvre. Mettre à jour le soudeur ionique. Très bien. Dans le mot de passe doit être là-dedans, ça se trouve. Du carburant, parfait. Ça fait plaisir, ça. C'est bien, parce que tu vois, même en difficile, le jeu te laisse pas trop dans la merde non plus. Hein. C'est quand même assez cool, ça. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Erreur, erreur, ok. Bougez pas, il va falloir qu'on trouve un nouveau moyen de faire entrer la cam dans Sébastopol. White a mis le cargo de commerce sous surveillance pour le moment et il a vérifié les navettes d'ambulance. Dis à tes hommes en dehors. Attends. Dégage. Dégage. Allez, Oust. Je te crame encore plus la gueule, fumier. Ah. Possible d'être emmerdé à ce point là quoi. Est-ce qu'il y a bombe tuyau, il y a moyen de L2 viser, maintenir placé. Ça, s'il passe, ça lui fera la bite. Du coup, bougez pas, machin. Dis à tes hommes en dehors de pas bouger pour l'instant. Je connais un type appelé Sinclair qui pourrait nous aider. Je me souviens du temps où les Marshall devaient s'occuper de vraies affaires criminelles plutôt que d'emmerder les hommes d'affaires et foutre en l'air leur business. Et fermeture Gemini. Mesdames et messieurs, je comprends que la situation actuelle de la fermeture imminente et totale de Gemini suscite votre émoi. Ça lui a fait la bite, c'est bien ce qui me semblait. On peut juste pas être tranquille, quoi, sérieusement. C'est incroyable, ça. On peut pas lire nos emails sans être emmerdé, quoi. Suicide votre émoi de la part de Sixon. Je vous promets que le futur de Sébastopol est assuré à 100%. Des négociations avec des compagnies acheteuses potentielles sont déjà bien parties. En attendant, avant de partir, veuillez remettre l'équipement appartenant à Sixon dans le coffre de sécurité. Le coffre est 2743. Nous avons dressé un inventaire complet et les marshals seront avertis si quelque chose vient à manquer. Donc on a dit 2743. Alors je préfère le noter parce que vu ma mémoire de poisson rouge, il y a grande chance qu'il faille que je le relise juste après. C'est un machin. Ok. Très bien. Donc là c'est pour se cacher. Ok, pas de souci. Tac tac tac. Hop là. Voilà. 2, 7, 4 et 3. Thank you.
ramasser amorce. Oh. Camelot, pack de recharge et je suis full. Qu'est-ce que je peux. Est-ce que je peux refabriquer une autre bombe tuyau? Je peux refabriquer une autre bombe tuyau. Qui coûte extrêmement cher cette saloperie. Voilà, ça du coup normalement je peux ramasser ça et ça. Parfait. Parfait. Non, je ferai ça. Voilà. Lance-flamme, on va se soigner un peu. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tac. Le taser, je vais le recharger à fond. Je m'en sers pas souvent du taser. C'est un truc que ouais, j'ai remarqué, c'est vrai, quand les. Bon, faut dire que j'ai encore pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu de. On n'a pas revu de synthétique réellement agressif, en fait. Ok, bon. Je voudrais bien pouvoir terminer cet épisode, en fait. Hop, 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 hop. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Laisser faire le tour pour éviter de se prendre un rayon sans le vouloir. Alors, image de la caméra, ça dégage. Système instable, je sais toujours pas ce que c'est, mais je l'active quand même. Très bien. Du coup, on a une map ici. Là, on a de quoi se cacher. Et là. Et là. Pardon. Excusez-moi. Oh. On sait rien de bon. Ok, des disjoncteurs, ils sont là. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici juste avant d'activer quoi que ce soit. Tiens, je vais aller me cacher là-dedans, d'ailleurs. Hop là, au cas où. Comme ça. On peut arrêter cet épisode tranquillement. En tout cas, bah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, chers amis. On était donc dans l'épisode 18. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Alien. Avant que je ne remeure encore une fois comme une merde. Et puis voilà. Et on se donne rendez-vous très prochainement donc pour le prochain épisode. Allez, sur ce, ciao, ciao. Et surtout, portez-vous bien, chers amis. Comme d'habitude, ne l'oubliez jamais. C'est le plus important. Allez, bye bye. Et des bisous à tous. Bien. Bye.